Faut que j'utilise mon cerveau pour de vrai. Non, mais la dernière fois, c'était déjà la loose. Chat. Non, c'est pas un H. Nouvelle. Il y a le mot nouvelle en bas. Salut YouTube, salut à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Natiasa. On se retrouve du coup pour l'épisode 12. On va aller récupérer un bout de mur avec un mec qui nous a aggro, bref, dans une grotte où il y a une grand-mère de 99 ans qui, je sais pas, qui aime les plantes. Je sais pas trop, c'est bizarre, mais on y va quand même. Parce qu'on a envie de jouer au jeu. Voilà, et on est en live, bien sûr, sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors. Ok. Obi-Wan, on peut y aller à pied. Ah non. Ok, on... okay, my bad. C'est la nuit ça fait peur. Ah non, j'aime pas les parasecs. Je déteste ce Pokémon, genre vraiment. Ah non, on est au feu de camp, mince, je suis bête. Analyse. Pique le bois. On a besoin de bois. C'est donc le reste d'un feu de camp. Quelqu'un est passé ici. Tu peux sentir, est-ce que les braises sont encore chaudes? Qui va là? Clairement, ce n'est pas le hasard qui t'amène, hein. Il n'y a qu'une seule raison qui puisse expliquer ta présence ici. C'est nous que tu cherches, pas vrai, hein? On devrait déjà se présenter, non? Qu'elle sache au moins qui va lui faire mordre la poussière. Je suis Constance, l'aînée de notre trio. Mon symbole est le pin, car je suis la plus grande et comme le feuillage de cet arbre, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Et moi, je suis Garance, la cadette, hein. Moi, mon symbole, c'est le bambou, plante de l'abondance qui flétrit jamais et qui propage sans cesse d'innombrables nouvelles pousses. Comme la mauvaise herbe. Et moi, c'est Hermance, je suis la Benjamine. Ma beauté est comme une fleur de prunier, fragile qui brave la rudesse de l'hiver pour annoncer le printemps. Nous sommes Constance Garance et Hermance, les détrousseurs qui sèment la chance. Laissez-moi les faire, les filles, je vais en faire qu'une bouchée. Salut Panda Olipol, comment tu vas? Allez quoi, Tox, arrose-la de ton poison. Hermance la voleuse veut se battre. Comment tu vas? Ça va super bien, merci beaucoup. Ah. Pourquoi il avance lui? Tu veux que j'avance moi aussi? Recule, reste sage. Mais ça, quand je vois que ça fait deux fois... Genre, il y a comme deux fois le Lord, je me dis, est-ce que je peux faire une vive attaque et roue de feu? Ok, c'est en effet ça. J'ai vraiment peur de mourir, en fait, par contre. Hein. Oh, punaise, c'est mort. Il fait que mourir, il va jamais XP. Il fait que clamser. Tout le temps. Ok, l'âme d'air, c'est celui qui respecte le mieux les tours. Hop là! Qu'est-ce que vous racontez de beau? Ça fait longtemps, les petits potes. Ah ok, c'était facile en fait. Ouais, après si j'ai les deux autres derrière, j'aime pas perdre, mais je préfère encore ça que d'être aux ordres du groupe Galaxy. Ça va, je sais que je suis une esclave, t'es pas obligé de me le rappeler. Mais il XP pas. J'ai beau avoir quitté le groupe Galaxy, il continue de me gâcher la vie. Prends-le ton fragment de mire et fiche-le au camp. Ah ok, c'est aussi simple.
On peut y voir des gravures qui évoquent des caractères. Comme il y a des choses écrites dessus, on s'est dit que c'était peut-être un trésor, mais en fait, ça vaut pas le clou. Ça vaut pas un clou. Tous ces efforts pour rien, quel gâchis. Mais dis-moi pourquoi en avais-tu après nous? Pour aider la gêne. Tous ces efforts dans le but d'aider. Comme c'est admirable. Mais vois-tu, on ne peut pas tous se payer le luxe d'être généreux. C'est parce que moi, je suis une esclave, c'est normal. Certains essaient déjà de survivre, ça je comprends. Et pour te dire, on a une dent contre le groupe Galaxy, et vu que tu en fais partie, on ne te tient pas une haute estime. D'ailleurs, cela me rappelle cet ancien poème. Dans la douce lumière du ciel printanier, pourquoi les pétales s'éparpillent-ils inquiets? Air compris. Faut que j'aille là-bas. Mon cheval! Mais mon Pokémon, il est KO par contre. Ça, c'est pas cool. Non, je voudrais le healer. C'est possible de le réanimer? Est-ce que j'ai un rappel ou je sais même pas à quoi ça ressemble. Je crois que j'ai plus de rappel, hein. Bah, j'ai une idée à quoi ça ressemble et je pense que j'en ai plus. 135 abonnés TikTok, Nati dépasse toute concurrence, what the fuck? Bah tu peux le mettre à jour, sinon je le ferai plus tard. Attendez, 35 abonnés, waouh. Ce soir il y a les TikTok, ça reprend un TikTok par jour à partir de ce soir. J'en avais plus assez après pendant... J'en ai fait trop les premiers jours pendant mon séjour en France, mais là je vais reprendre un par jour. Et si vous voulez des Pokémon dans la boîte, parce que je fais des dessins de Pokémon sur TikTok... N'hésitez vraiment pas à les mettre sur le dernier commentaire, à chaque fois sur le dernier dessin, lequel vous voulez. Et comme ça, je vous le fais. Le rappel, c'est un genre de losange. Ouais, c'est pour ça, comme dans les jeux classiques, je me suis dit que je l'avais pu pas. Tu as réussi à récupérer le fragment de mur? Beau travail. Je connais bien la réputation de la Jaina et on dit qu'elle est têtue et vieux jeu. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a toujours vécu à Isui et qu'elle a donné de sa personne pour servir le camp Plaird, guidé par sa foi, en le grand Sinnoh. Au fond, ce n'est pas tant qu'elle déteste le camp Diamant et le groupe Galaxy, c'est surtout qu'elle aime le clan Plaird par-dessus tout. J'espère sincèrement que tu arriveras à apaiser Ursa King, Natiasa. Ce n'est pas bon pour nos affaires de savoir qu'il y a des Pokémon enragés dans la région. Tout ce qui t'intéresse, de toute façon, c'est l'argent. Pourquoi elle n'a pas un Pokémon de plante, elle a un Kunotor? Tiens, tu es encore là, toi. Tu veux venir me voir 100 fois que... Tu peux venir me voir 100 fois que je ne changerai pas d'avis. Le fragment de mur. Comment tu as trouvé le fragment? Tu as vraiment tout ça pour une parfaite inconnue? Fais tout ça pour une parfaite inconnue. Tu as ce point envie d'apaiser Ursa King? Bah ouais, avec mes boules. Évidemment. Let's go. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre que moi se préoccupait autant d'Ursa King. Ursa King, Ursa, je sais pas. Bien, laisse-moi replacer le fragment de mur. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Oh non, les gars, faut pas... Si, il faut. Alors, attendez. Il faut que j'utilise mon cerveau pour de vrai. Non, mais la dernière fois, c'était déjà la loose. Chat. Non, c'est pas un H. Nouvelle. Il y a le mot nouvelle en bas. Nouvelle, deux nouvelles. Deux nouvelles. Dis-moi si c'est nécessaire ou si c'est cool de savoir pour le lore. Deux nouvelles. De nouvelles. Après, c'est quoi la première lettre là? Deux nouvelles. En sachant ça. Pour? Mais il écrit quoi alors le chat si c'est pas important? Vous me laissez galérer. Pas?
Oh. Je sais pas, en vrai, je suis nulle pour lire ça à chaque fois. Il y a un truc qui finit par un E. Il y a vie. Vie, 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 vie. Le deuxième mot, c'est vie. C'est pas important parce que ça te le dit juste après, écrit de façon normale. Voici ce qui est écrit. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. Ah putain, c'est vraiment le pire le jeu. Hein. Je vois. J'ai lu ces instructions maintes fois sans en saisir le sens et j'avais fini par presque les oublier. Mais grâce à toi, je pense les avoir enfin comprises. Ce qui est d'ailleurs oh la vache, ce qu'il y a décrit illustre bien que sans ton aide, je n'aurais jamais réussi à reconstruire ce mur. Est-ce là l'un des enseignements du grand Sino? Dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Natiasa. Je vois bien, Natiasa. Veux-tu m'aider à apaiser? Oui, je suis là pour ça. Il est certes très énervé, mais pas au point de devenir complètement enragé. Je crois que si on lui donne le remède approprié, il pourra retrouver ses esprits. Mes principes m'interdisent de laisser mon Pokémon se battre, mais j'imagine que ce n'est pas un souci pour toi. Ursa King aime se rendre sur le plateau tourbeux. Et quand tu seras prêt, rejoins-moi là-bas. Ok, on va pouvoir aller se fighter. Ready to fight. Vas-y, on retourne à un endroit pour se healer. Arrête, il y a quelques quêtes qui traînent. Il faudrait qu'on trouve le dernier bout de bois aussi. Hop. Je voudrais bien trouver le dernier bout de bois. Oh, il y a un Pokémon que j'ai pas. Vous me dites le chat, si vous trouvez un bout de bois, vous me le dites direct. Oh merde. Oh merde. Oh punaise, je me casse de là, moi. Bah ouais, j'ai vu bip 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 là. Punaise, je pensais pas. Il m'a fait archi mal. Ah, mais il faut que je fasse un truc aussi, attendez. Hop, il faut que je range mes affaires. Je pense qu'il y a des trucs que je suis pas obligé de garder sur moi, quoi. Je sais pas ça. Les potions, ça, je vais les garder. Bon, après, il faudrait que j'agrandisse mes poches aussi, en vrai. Je sais pas si j'avance en sneaky, comme ça, je vais arriver à les... à les capturer ou pas. Merde, il est où? Ok. Putain, je suis concentré, hein. Ça se sent ou pas? Ok, c'est bon, je l'ai eu, let's go. En plus, il est niveau 20, trop bien. Trop, trop bien. Ok, cool. Je voulais ramasser le petit truc de blé qui était là. J'ai pas de place dans ma pochette, quoi. Je n'ai pas d'enlever le truc. Hop. Que j'ai ramassé. Ça, je sais pas trop si... déplacer. Plus important ou pas. En tout cas, il me manquait un petit bout de bois. Et après, par contre, la mission, je pense que là, c'est d'aller se taper avec l'autre. On va faire quelques quêtes secondaires, les ramasser pour pouvoir un peu XP. Voilà, voilà. Déjà, il y a une quête secondaire que j'ai toujours pas ramassée, alors que ça fait 25 fois que je passe devant. On va commencer par celle-là. Oh, mais c'est toi, la chercheuse dont tout le monde parle au village en ce moment. J'aimerais te demander une faveur, si tu ne vois pas d'inconvénient.
Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ce gracieux Pokémon nommé Roselia? Il a de jolies fleurs en guise de main, une bleue, une rouge. C'est si élégant, je l'adore. J'aime tellement ce Pokémon, je n'arrive plus à me contenter de l'observer à la plaine d'or. Quand tu auras rempli le Pokédex, la page Pokédex de Roselia, pourrais-tu venir me la montrer? Let's go. Je crois qu'il y avait une autre quête. Oh, mais elle est loin. Ok, ouais. Regina, putain, j'ai lu Refina. Elle est loin. Et celle-là, elle est là-bas, dans le plateau. C'est quoi les trucs comme ça? Je m'en rappelle même pas. Attendez, on va y aller. C'est pas pour installer un nouveau bivouac ou un truc comme ça? Attends, je viens de mettre un point dans l'eau. Putain, y a un feu follet là-haut. Attendez, je vais aller le ramasser. Merde. Pardon. Mince. Mince alors. Comment on monte là-haut? Mais attends, mais c'est quoi le point que j'ai mis? Ok, bah attendez, je vais y arriver, non? Plaine d'or, vas-y. Tac. J'ai l'impression que si je tombe dans l'eau, là, les potes, c'est la noyade assurée, hein. Non mais Nati! Non mais Nati aussi! Je veux dire, mon truc, il sait pas nager, c'est l'enfer! Mais mon dieu! Ça me fatigue tant de nullité. Ah ouais, mais il faut que je monte, mais comment je fais? Zoomons. Il faut. Putain, mais je suis Keblo. On peut pas aller là en fait. Ah si ça, les petits points là, c'est des pointillés ou c'est un pont? Ah non, je pense que c'est la route. Du coup, il faudrait que je fasse un demi-tour. T'as un pont. Putain, mais apparemment le pont, il serait genre là. Non mais je pense que c'est juste les pointillés de la carte en fait. Je me fais U. Là-bas t'as un pont. Mais pour ça faudrait passer de l'autre côté de ça. Ce qui me semble impossible. Faudrait que je passe de l'autre côté de ça. Mais ça je ne peux point le contourner. T'as un pont plus haut sur la... Ah oui là-haut. Ok attendez on va monter. Là, on a un pont. Mais non, mais c'est la noyade aussi. Mais quelle idée. Quelle idée. Bon, attendez, on va faire ça à pied. Parce que l'autre, il nous a jeté à l'eau, tel un malpropre. Et tout ça, ça finit mal. Ok, fait que là, on est là. Et là, on peut aller en bas. Ouais, c'est bon, punaise. C'est complexe des fois, hein. Et là, il y a un pont. Là, faut pas tomber. Il y a un psychoquac. Mais non, il y a une boîte ou quelque chose, non? Elle est où la boîte que je cherche? Mais elle est prête. Mince, attendez. Mais non, je fais n'importe quoi! Normalement, on devrait l'avoir là.
Je suis aveugle ou ça se passe comment? Non mais c'est impossible d'être aussi aveugle. Bah attendez. À gauche, ben là j'y suis. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Mais attendez, ça m'énerve. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je vois plus la boîte. T'es passé dessus? Ah, c'est ça? Ok, super. Chercher un truc 100 fois plus gros. C'est pas grave. Un peu. Tac. Vas-y, bah on va aller là-bas, je pense, hein, en vrai. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais. Non, mais on fait que se noyer dans cet épisode, c'est la cata. Mais attends, le jeu m'a spo... Quoi? J'ai vraiment l'impression que tu fais exprès de te noyer. Bah oui, j'ai que ça à faire. Moi, je cherche du bois en vrai. Vas-y, je veux trouver mon autre bout de bois. Je sais pas si on peut en trouver ici du bois. Il peut pas monter en haut du truc lui non plus. Oh la vache. On va se retrouver encore bloqué par une montagne. Non, 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 s'il vous plaît. Une entrée, non, toujours pas. Non. Un chou-fleur! Pardon, ça ressemble à un chou-fleur. Bon. Moi, je cherche du bois en vrai. Du bois, des potes. Tout ça, quoi. Il y a là les Pokémon ici, mais il y a pas de bois. Pourtant, il y a les troncs d'arbres. Coucou. Coucou, Emanich. Attends, mais quoi? Je voulais pas aller là? Je lui disais pas du tout cet endroit. Monster King a beau être énervé, il répond toujours à l'appel de la flûte de ma flûte. C'est probablement son instinct de monture Pokémon qui nous le pousse, qui le pousse à venir vers moi. À chaque fois, je m'attends à une belle musique et GG, c'est fini. Et à chaque fois que j'entends ce bruit-là, je suis comme ah ok, c'est ça. Incroyable quoi. Non mais attends, mais moi je suis pas prêt à le battre. Il a l'air fatigué. Maintenant, montre-lui de quoi tu es capable. Mais attention, Ursa King est un Pokémon très cher au clan Perle, je t'interdis de l'attraper. Non mais attendez, quoi? Mais non, mais je voulais pas du tout faire ça! Oh my god. J'ai pas compris. Ah ouais? Et là, je vais perdre. C'est obvious que je perds, j'ai pas... J'étais, je voulais faire des quêtes avant et tout. Oh merde. C'est la... C'est le cas... C'est... C'est pas cool! Et ouais, mais comment on va faire? Attends, mais j'étais pas prêt à tout ça, moi, oh, punaise. Ok.
Je me dis quitte à se faire one shot, autant envoyer la pâtée, tu vois. Damn it. Ok, vas-y. Vas-y, on retente en voyant la pâtée. Comme ça, moi, ça me heal. Bon, il me tue quand même, mais... Au moins, je lui ai mis un max de dégâts. C'est quoi? C'est pas que Notor qui va finir ce combat quand même. Hein. Un peu de respect. Allez, à l'attaque, Licky. Ok, c'est bon. Mais c'est trop triste dans mon histoire. Mais mon main, il XP jamais. Allez, viens là, Ursakin. Tu dois être bien fatigué, mon pauvre. Ne t'en fais pas, je vais prendre soin de toi. C'est un remède secret du clan Père. Il est... Mais je pensais qu'on allait se battre contre un qui a les yeux rouges et tout, là, je comprends pas. Il est bigrement efficace pour purifier le corps et pour éliminer les toxines. On l'appelle le détox. Moi, je pensais qu'il allait être vénère, yeux rouges et tout, genre en mode... Je sais pas pourquoi on l'a frappé, là, y a pas de raison, tu vois. Mais comme c'est un remède très puissant, on n'utilise que pour les Pokémon aussi robustes qu'Ursakin. N'est-ce pas, mon petit Ursakin? Tu as l'air d'aller bien mieux à présent. Je pense néanmoins qu'il y a quelque chose qui cloche. Il n'était pas si enragé, non? T'as l'œil pour quelqu'un du groupe Galaxy, exactement. Quand tu as apaisé la rage de Ashlikater, même d'ici, j'ai pu voir une lumière s'élever vers le ciel. Mais il n'y a rien eu de tel pour Ursaking. D'ailleurs, il ne brillait pas à la base. Pourquoi on l'a frappé? C'est pas gentil! What the fuck? Par contre, j'ai trouvé cette substance sur son corps, c'est une sorte de poudre. Je me demande pourquoi cette Marcia du clan Diamant est venue me parler d'Ursaking. Bah, j'avoue. Oh, mais j'allais oublier quelque chose d'essentiel. Peux-tu me jouer de la flûte céleste? Vas-y, go. Trop nul. Ulule tout mignon. Ursaking a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Ursaking vous offre la plaque terre. Il est tout mignon. Ursaking peut déterrer des choses enfouies dans le sol. Maintenant, va rapporter tout ça à ton dirigeant. Ursa. Ok. Vous pouvez désormais appeler Ursaking, donc ok. Appuie sur Y. Ok. Ok, ok. Bon bah testons. Oh la vache. Oh là là. Il est énorme. Tiens donc, tu es la jeune recrue du corps des chercheurs qui a apaisé Ashikater, le roi de la forêt si je ne m'abuse. Tu es là pour aider l'installation du bivouac de la friche? Oh putain, c'est trop bien, on va faire ça. Ikuto, un jeune apprenti du corps des bâtisseurs, est déjà sur place. Il y a bien besoin d'un membre du groupe Galaxy pour assez dégourdi pour l'aider. Let's go. Mais ça c'est bien, les bivouacs, c'est vachement pratique quand même. J'aimerais bien essayer ma nouvelle capacité. Ok, c'est un détecteur de métaux sur patte. Je comprends pas pourquoi ça a clignoté et... Puis après ça clignote plus. On se casse parce qu'en vrai j'ai vraiment pas de vie. Là c'est pas que je voulais pas mais... Attends. C'est juste que je veux être tranquille pour me TP. Voilà, voilà. Et voilà.
Ok, bon, bah, on a calmé un Ursa King pas énervé. C'est bizarre de calmer quelqu'un, c'est pas gentil. Hop. Bon, les amis, on va continuer à partir. Bah, essayer de comprendre tout ce qui se passe dans ce jeu, hein. Pourquoi on a ça là? Lorsque vous perdez connaissance, vous laissez derrière vous des objets perdus. N'importe qui dans le monde entier peut ensuite les ramasser, vous les envoyer par Internet. Pour vrai? De la même manière, vous pouvez trouver des objets perdus de d'autres personnes et les renvoyer à leur propriétaire. Vous obtiendrez ainsi des points de bonnes actions. Les points de bonnes actions que vous accumulez peuvent être échangés contre des objets à l'état d'échange de rusticité. Ramassez autant d'objets perdus que possible pour obtenir des objets exceptionnels. Mais trop bien, Richard, il a perdu sa Pokéball. Ok. Mes amis, merci d'avoir suivi cet épisode 2. J'espère que ça vous a plu. On enverra des objets à tout le monde dans l'épisode 13. Essayez de voir si Ursa King il est énervé ou pas. Enfin bref, vous m'avez compris. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup pour cette belle aventure sur YouTube et de ceux qui me suivent. Ça fait vraiment plaisir. Des gros bisous, à la prochaine. C'était Natiessa. Tchuss!